un jour, les choses vont changer ici. Ça va changer. Parce que je ne peux pas me lever de chez moi comme un prisonnier. 5 heures, 6 heures, je suis déjà ici parce qu'il faut que tu sois bon. Non, je suis seul. Un jour, ça va changer. La vie est bizarre. La vie est trop bizarre. Tu es entré quelque part. Il y a ton collaborateur qui est en train de faire quelque chose. Et tu es censé faire la même chose avec lui. Tu es en... Il n'y a pas de bonjour. Rien. Coq, 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 coq. Et tu poses tes fesses. Tu t'assois. Je continue mon boulot. Et si tu demandais à ton collaborateur maintenant là que soulève un peu tes pieds, je continue le boulot. Qu'est-ce qui va se passer? Voyons voir la suite de l'épisode. Alice. Quoi? Pardon, soulève un peu tes pieds, je suis en train de balayer. C'est ton bonjour là-bas. Et voilà le coq qui s'est baissé. Il demandait. Quand toi et moi, on a commencé l'histoire-ci, qu'est-ce qu'on s'est dit? 50-50, non? Les tâches, 50, l'argent, 50, bref, tout, ici, c'est 50. Voilà même le nom là-bas, F et L, fashion et le long. Ça ne te dit rien? Qu'est-ce qu'on s'est dit ici? On s'est donné une heure à laquelle on doit arriver ici pour rendre la structure propre, aimable et bien structurée en fait. Pour que quand le client entre, il confirme que non, c'est une structure de valeur, c'est une structure de tout. Mais toi, tu t'amènes là, avec tes corses, tu entres là, tu viens t'asseoir, avec ta robe de ou c'est Kongana, ou c'est Karaba, ou c'est quoi, avec les pulpes de noix sur la tête, bam, avec le téléphone, bam, tu t'assois là comme ça, là, ha, tu manipules. Quand il demande de se lever les pieds, c'est ton bonjour là-bas, et boum. Je dis que je me suis levé du pied droit ce matin, donc je ne veux pas de problème. Si tu t'es levé, tu as commencé à rendre la boutique propre. Rends la boutique propre. Où est le problème? Ah, tu t'es levé du pied droit. Je me suis levé du pied milieu. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai fini cela. J'ai presque fini. Tout est fini cela. Il y a l'eau sale là-bas. L'eau avec laquelle j'ai fini de nettoyer cela et poussiérer par dépoussiérer partout là. Il y a l'eau sale là-bas. Prends au moins c'est ça. Tu pars verser là-bas à la récolte, non? Donc moi, je n'ai pas versé l'eau sale. Non, moi. L'eau sale. Papa, ne compte pas sur moi. Je suis désolée. Un jour, la cloche sonnera. Les choses vont se changer ici. Toi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? Au fait, il y a quelqu'un qui m'a recommandé votre maison. Ouais, t'as quoi vous a... Sans promotion, rien que pour vous. La taille, ce n'est pas toujours un atout. Quand j'ai passé, j'étais là. Il fallait me dire que c'était ça le truc, non? Bref, comme je vous disais tout à l'heure, madame, j'ai besoin d'une belle tenue pour ma bien-aimée. Donc, quelqu'un, un ami, m'a fait savoir que je pouvais trouver ça ici. Oui, d'accord, on va aller de ce côté. Ok, je vous suis, madame. En fait, j'ai pas besoin d'une robe. Voilà, par exemple, pantalon là-bas qui me plaît bien. Pantalon blanc là. Oui, okay, d'accord. Il me plaît bien. Votre bien-aimée, elle est comme ça? Ouais, elle est bien petite. J'aime les femmes petites, un peu comme vous là. Oui, des mannequins en fait. Oui, j'aime bien.
très bien ces vestes-là. Ok. Je suis très belle couleur. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Qu'est-ce qu'on peut bien ajouter? Voilà, voilà. Ça, par exemple, ça peut bien aller. Mais attendez un peu, madame. Elle fera comment au cas où elle veut faire pipi? Ah ouais, ça s'ouvre par le bas. Oh oui, ça peut bien aller. Ça habille bien. Ça fait qu'elle va mélanger tout ça et puis voilà. Le tout sera joué. D'accord, je pense que ça ira parce qu'elle a des babouches à la maison. Elle pourra marier avec. Ah, vous vendez aussi des perruques, des greffes et des mèches ici? Oui, oui, on vend des perruques et des mèches. Et ça coûte combien? Bon, ça va de 40 000 à 100 000. 40 000 à 100 000 francs. Ouais. Pas mal. 40 000 à 100 000. Ok, pas mal. Ok. Allons emballer ceci. En passant même, tout ça fait combien? Ça fait juste 20 000 parce que c'est bon. 20 000? Ah, waouh! Mais vous êtes tellement moins cher. Mais mon ami avait raison. Oh, ça donne envie de revenir. Ok. Ça s'emballe de quel côté? D'accord. Ça donne envie de revenir. Vous avez dit 20 000 francs. Oui, oui. Merci. Il y a un problème avec les vêtements? Non. Aïe! C'est donc quoi le souci? Donnez-moi quelques minutes et je vais vous expliquer. Quelques minutes? Madame, j'ai affaire à... Ok, quelques minutes juste. Juste quelques minutes. Hein. Le poisson est tombé dans les filets. Dan, dan, dan. Désolée déjà pour ces quelques minutes que je vous prends. J'aimerais savoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Rob le Grizzly. D'accord, enchantée. Moi, c'est Alice et j'aimerais mieux vous connaître. Mieux faire ma connaissance? Oui. Mais de quelle façon? Vous voulez dire que vous ne comprenez pas ce que je vais dire par là? Attendez, je ne sais pas, vous semblez oublier ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je suis arrivé ici. Je vous ai dit qu'elle venait faire quoi? Vous venez faire des achats pour votre bien-aimée. Des achats pour ma bien-aimée? Ça veut dire que je suis un empris. C'est ça, non? Alors, vous devez comprendre que je ne peux pas offrir mes sentiments à une autre femme, en dehors d'elle. Bonjour, monsieur. Hein? S'il vous plaît, vous auriez des Péruviennes ici et des Indiennes? Je cherche quelque part là. Il y a même la Syrienne. Je cherche quelque part là-bas. Je veux juste être votre deuxième bureau. Mais est-ce que je vous ai dit que je voulais avoir avec moi deux femmes? Je suis venu ici faire des achats. Attendez, permettez-moi un peu de vous tutoyer. C'est comme ça que tu te comportes avec toutes les personnes qui viennent ici? Non, non, c'est parce que c'est vous. Moi, j'ai quoi de particulier? En réalité, moi-même, je ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas. Tout compte fait, je veux que tu comprennes que je dois partir. Je dois lui remettre ce paquet. Ok? Et parce qu'elle m'attend. Et puis, on verra. Si j'ai compris, on se reverra. Ok? Tu disais? Que je vais être votre deuxième bureau. Tu vas être mon deuxième bureau? Attends. Est-ce que tu me promets de ne pas déranger ma tante moitié, tu promets d'être sage? Je vous le promets entièrement. Je ne vais pas vous causer de problème. Tu es sûre? Et certaine. Parce que c'est habituellement, c'est comme ça que vous venez. Vous venez comme des anges et vous repartez comme des démons. Voilà ce que nous allons faire, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai que tu ne me laisses pas indifférent. Donc, nous allons partir. Je vais te faire attendre à mon hôtel.
Je vais remettre ce paquet et nous serons ensemble. Nous pourrons passer toute la journée, tout le reste de la soirée ensemble. D'accord. Ok? D'accord. D'accord. Et la boutique, tu la laisses à qui? À mon collègue. Ton collègue? Oui. D'accord. Ok. Faire quoi? Vraiment, monsieur John, il veut assurer le respect. Hein? C'est la structure qui impose là. Il te bat ici là. C'est parce que tu avais le t-shirt. Si tu étais en démembre, tu devais voir ici là. Il allait te monter ici là. Il vient bouger le marché là. Le minkoul. Ça, c'est l'eau, le sein. Il te met au sol ici là. Tu me peux, tu me connais. L'eau qu'elle a monté, descend ici là avec les gens. Elle fait les trucs ici là. Même sans faire, moi jamais. Il veut te prendre, toi. Donc il est là comme la montagne. Tu peux faire quoi qui? Il te met au sol. Et parce qu'aujourd'hui, là, je ne suis pas d'humeur. S'il vous plaît, monsieur. Quoi? C'est combien la public là? Voilà la grille depuis qu'elle est partie. Shot by Mr. Boakai Solomon. Restez scotché, abonnez-vous massivement, cliquez sur la cloche de notification. Le meilleur reste à venir. J'ai dit à mamie Solo, quand tu as tout dit ici là, c'est pourquoi moi ils disent quoi? On vendait des piments comme ça là. Oui, en tout cas, faites aussi comme elle a dit. Vous me lâchez là, abonnez-vous. Boakai Solomon.